Thank you.
Reading from the Acts of the Apostles. Lecture des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, les disciples se trouvaient tous réunis dans la même salle. Tout à coup, il se produisit dans le ciel un bruit aussi violent que le souffle d'un ouragan, et toute la maison où ils se trouvaient en résonna. Ils virent alors des langues de feu qui se séparaient et se posaient sur chacun d'eux. Et tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler toutes sortes de langues, et chacun s'exprimait suivant le don de l'Esprit Saint. Des Juifs venus en pèlerinage de tous les pays du monde séjournaient alors à Jérusalem. Au bruit qui venait d'éclater, la foule se rassembla. Ils étaient désorientés. Chacun les entendait parler dans son propre langage. Émerveillés, ils exprimaient leur stupéfaction. Ces gens-là qui nous parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Et il y a parmi nous des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des gens de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la mer Noire et de l'Asie mineure, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, et des étrangers venus de Rome. Il y a des Juifs de naissance et des convertis, même des Crétois et des Arabes. Et voilà que tous, nous les entendons célébrer, dans notre propre langue, les merveilles de Dieu. We have heard them speak in our own tongues the wonderful works of God. Eighth day in our novena to the Holy Spirit. Huitième jour de notre neuvaine au Saint-Esprit. Ô Esprit Saint, lumière de nos âmes et soutien de nos corps, daignez assister ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps. Accordez à tous ceux qui vous invoquent la paix de l'âme, une douce et paisible mort et une éternité bienheureuse. Nous vous le demandons au nom de votre très sainte épouse, la Vierge Marie, que vous aimez tant. Ainsi soit-il. Amen. Act of consecration to the Holy Spirit. Acte de consécration au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, nous vous consacrons notre intelligence, notre cœur et notre volonté, tout notre être, pour le temps et pour l'éternité. Que notre intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont vous êtes le guide infaillible. Que notre cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que notre volonté soit toujours conforme à la volonté divine et que toute notre vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et vous, soit honneur et gloire à jamais, ainsi soit-il. Be rendered all honor and glory forever and ever. Amen. Ô Marie, épouse du Saint-Esprit, priez pour nous. Ô Marie, épouse du Saint-Esprit, priez pour nous. Ô Marie, épouse du Saint-Esprit, priez pour nous.